Ils ont été l'un des couples emblématiques de la saison 6 de Marié au premier regard sur M6 et pourtant, leur histoire n'a pas duré. Quelques mois après s'être présentés main dans la main au bilan de l'émission, Bruno et Alicia ont annoncé leur séparation en avril dernier sur les réseaux sociaux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux candidats ne se sont pas quittés en très bons termes. Bruno a retrouvé l'amour dans les bras de Jennifer, autre participante du programme en 2022 et accessoirement amie d'Alicia, tandis que la jolie blonde a annoncé le 25 août dernier être en couple avec un mystérieux inconnu. Il ne leur reste donc plus qu'à rendre leur divorce officiel. La jeune femme de 29 ans s'est attelée ce dimanche 10 septembre au remplissage des papiers adéquats, comme elle l'a montré en story Instagram. Et elle en a profité pour tacler l'ingénieur en génie civil. Dimanche paperasse. Là, je suis sur les papiers pour le divorce. Il y a plein de trucs à envoyer par mail parce que c'est un vrai divorce, parce que c'est un vrai mariage. Il y a l'avocat, le notaire. A commencé Alicia. Pour rappel, les couples de l'émission acceptent ou non de se marier au premier coup d'œil lors d'une cérémonie tournée à Gibraltar. Je suis sur la déclaration sur l'honneur avec plein de trucs à noter dessus donc ceux qui pensent que c'est un faux mariage, eh bien non. Il y a vraiment un vrai divorce derrière. Un faux mariage, il n'y a pas tout ça à remplir, a poursuivi l'infirmière. Et de conclure avec une pique bien sentie envers Bruno, ça me fait rire parce que même la personne concernée a osé dire à sa famille que c'était un faux mariage et même à certaines personnes pour se faire mousser. Ce n'est pas beau, les mensonges. Supérieur à supérieur à Marié au premier regard 2023, découvrez les portraits des nouveaux candidats au mariage célébrés à Gibraltar. Sont-ils reconnus par l'État? De nombreux téléspectateurs se sont déjà demandé si les mariages célébrés dans le télécrochet étaient réels. Interviewée par La Voix du Nord en mars dernier à l'occasion du lancement de la 7e saison, Karen Aboab, productrice, a assuré qu'il ne s'agit pas de faux mariage. Quand vous vous mariez à Gibraltar, quelle que soit votre nationalité, vous êtes marié à Gibraltar, dans le monde entier et dans votre lieu de résidence. Quand ils sont mariés, ils repartent avec un certificat de mariage. Et d'ajouter avec humour, s'ils se remarient, ils sont polygames. Les jeunes époux doivent ensuite faire retranscrire leur mariage à l'état civil français, s'ils le souhaitent. Dans ce cas, ils font des démarches, et c'est transcrit à l'état civil. Mais qu'ils le fassent ou non, ça ne change rien, ils sont légalement mariés, a expliqué l'interlocutrice. Crédit photo, capture d'écran Instagram. Two, three.